السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Je sais très bien qu'il va s'adapter rapidement. Je sais très bien qu'il va s'adapter rapidement. أما بالنسبة لدرس اليوم سوف نتعرف على أسئلة وأجوبة من الحياة اليومية، سنتعلمها بالطريقة التفاعلية التي تعودتم عليها. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? En arabe, ماذا كنت تفعل عندما اتصلت بك? Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? الآن دورك عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول مثلا كنت نائما. J'étais endormi. J'étais endormi. Ici, on a le verbe être conjugué à l'imparfait. On a le deina fa'l yakounu musarraf fil madi an naqis. Aussi, on a l'adjectif endormi, sifat na'im. Bilnisba lil mu'annat nudifu e. Pour le féminin, on ajoute e. J'étais endormi, kuntu na'im. Une autre question. Je peux jeter un coup d'œil à la montre? Je peux jeter un coup d'œil à la montre? هل يمكنني إلقاء نظرة على الساعة? Je peux jeter un coup d'œil à la montre? Bien sûr. Bien sûr, taban. Bien sûr. Qu'est-ce que tu prépares pour le dîner? Qu'est-ce que tu prépares pour le dîner? ماذا تحضر للعشاء? أو ماذا تطبخ للعشاء? Qu'est-ce que tu prépares pour le dîner? الآن إذا أردت أن أقول مثلا عادة أتناول الطعام بالخارج أو في الخارج يعني خارج المنزل. نعم d'habitude je mange dehors. D'habitude je mange dehors. Répète avec moi. D'habitude je mange dehors. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. شكرًا لك على مساعدتك. Merci pour ton aide. إذا أردت أن أقول مثلاً كان لا شيء على الإطلاق سعيد لمساعدتك فكر قليلاً. نعم ce n'était rien du tout heureux de t'aider. Ce n'était rien du tout heureux de t'aider. بالنسبة للمؤنث نقول إذا كانت المتحدث مؤنث ce n'était rien du tout heureuse de t'aider. Ce n'était rien du tout. Heureuse de t'aider. Que veux-tu faire en vacances? Que veux-tu faire en vacances? ماذا تريد أن تفعل في العطلة? Que veux-tu faire en vacances? مثلا إذا أردت أن أقول أود الذهاب للصيد إذا أمكن. نعم j'aimerais aller pêcher si possible. J'aimerais aller pêcher si possible. Si possible يعني إذا أمكن. J'aimerais aller pêcher si possible. Une autre phrase, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. أنا في مزاج سيء اليوم.
Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. إذا أردت أن أقول مثلا أخبرني بما حدث. نعم. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est passé. للاختصار يمكن القول فقط Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? ماذا نفعل بعد ظهر اليوم؟ Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? مثلا إذا أردت أن أقول لنذهب إلى الشاطئ. أتحدث هنا عن الجمع. نعم. Allons à la plage. Allons à la plage. Ici on a le verbe aller conjugué à l'impératif. هنا لدينا فعل يذهب مصرف في صيغة الأمر. Allons à la plage. Qu'est-ce que tu feras demain? Qu'est-ce que tu feras demain? ماذا ستفعل غدا؟ Ici on a conjugué le verbe faire au futur simple. هنا صرفنا الفعل يفعل في المستقبل البسيط. لأن الجملة تتحدث عن المستقبل. Qu'est-ce que tu feras demain? مثلا إذا أردت أن أقول ليست لدي أدنى فكرة أو ليست لدي أي فكرة. كنا قد رأيناها سابقا هذه الجملة. نعم. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. ردد معي بسرعة. Je n'en ai aucune idée. Une autre question. Tu es sûr que tu peux porter tout ça? Tu es sûr que tu peux porter tout ça? En arabe, هل أنت متأكد من أنه يمكنك حمل كل هذا? Tu es sûr que tu peux porter tout ça? Dans cette phrase, on a trois verbes. Le premier verbe, c'est le verbe être. Tu es, le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, on a le verbe tu peux, le verbe pouvoir. Aussi, on a le verbe porter. هنا لدينا ثلاث أفعال الفعل يكون tuer tu peux le verbe pouvoir يستطيع porter لديه الكثير من المعاني في هذه الجملة جاء المعنى يحمل porter يحمل كذلك يعني هذا الفعل يرتدي je répète la phrase tu es sûr que tu peux porter tout ça مثلا إذا أردت أن أقول أنا متأكد من أنني أستطيع فعل ذلك فكر قليلا نعم أحسنت Je suis sûr que je peux le faire Je suis sûr que je peux le faire Répète avec moi Je suis sûr que je peux le faire Que veux-tu faire Ce vendredi. Que veux-tu faire ce vendredi? J'ai l'intention d'aller au cinéma. J'ai l'intention d'aller au cinéma. Depuis combien de temps êtes-vous marié? Depuis combien de temps êtes-vous marié? Depuis combien de temps êtes-vous marié? On est marié depuis 5 ans. On est marié depuis 5 ans. J'aimerais paraître plus jeune. J'aimerais paraître plus jeune. J'aimerais paraître plus jeune. J'ai entendu dire que le potable aide à garder une peau jeune. J'ai entendu
Dire que l'eau potable aide à garder une peau jeune. Combien de personnes devrions-nous inviter? Combien de personnes devrions-nous inviter? C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Je n'ai pas envie de manger dehors ce soir. Je n'ai pas envie de manger dehors ce soir. Je peux cuisiner des spaghettis et faire une salade. Je peux cuisiner des spaghettis et faire une salade. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. C'est une bonne chose. Je suis heureuse pour toi. C'est une bonne chose. Je suis heureuse pour toi. Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Excusez-moi, mais puis-je ouvrir la fenêtre? Oui. Il fait chaud aujourd'hui. Oui, il fait chaud aujourd'hui. Tu as l'air pâle aujourd'hui. Tu as l'air pâle aujourd'hui. Tu as l'air pâle aujourd'hui. Je n'ai pas dormi et je n'ai pas pris le petit déjeuner. Je n'ai pas dormi. Et je n'ai pas pris le petit déjeuner. Qu'a dit le médecin? Qu'a dit le médecin? Il dit que j'ai besoin de médicaments et de sommeil. Il dit que j'ai besoin de médicaments et de sommeil. Tu te sens toujours malade? Tu te sens toujours malade? Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Tu aimes ton travail? Tu aimes ton travail? J'ai hâte de venir travailler chaque jour. J'ai hâte de venir travailler chaque jour. Combien y a-t-il de personnes dans votre famille? Combien y a-t-il de personnes dans votre famille? Nous sommes 7 dans la famille. Nous sommes 7 dans la famille. Tu devrais manger plus. Tu devrais manger plus. Non merci, je suis rassasié. Non merci, je suis rassasié. Mes articulations me font mal. Mes articulations me font mal. Voici de la crème pour t'aider. Voici de la crème pour t'aider. Tu es prête pour demain? Tu es prête? Pour demain? Non,
Pas encore. Non, pas encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Que veux-tu faire après l'obtention de ton diplôme? Que veux-tu faire après l'obtention de ton diplôme? Je vais continuer mes études. Je vais continuer mes études. Peux-tu m'appeler? Peux-tu m'appeler? Oui, je t'appellerai ce soir. Oui, je t'appellerai ce soir. On dirait qu'il va faire beau. On dirait qu'il va faire beau. Oui, c'est beaucoup mieux qu'hier. Tu viendras me chercher? Tu viendras me chercher? En arabe, هل ستأتي لاستحابي أو هل ستأتي لأخذي? Tu viendras me chercher? Le premier verbe, c'est le verbe venir, un verbe de troisième groupe, conjugué au futur. لدينا فعل يأتي مصرف في المستقبل. Tu viendras me chercher? On peut dire par exemple, à quelle heure? À quelle heure? في أي ساعة? À quelle heure? C'est le tien? C'est le tien? En arabe, هذا لك أو هذا لك. C'est le tien? Oui, c'est le mien. Oui, c'est le mien. En arabe, نعم إنه لي أو نعم إنه ملكي. Oui, c'est le mien. Merci pour ton aide. Merci pour ton aide. En arabe, shukran li musa'adatik. Merci pour ton aide. Ce n'était rien du tout. Heureux de t'aider. Ce n'était rien du tout. Heureux de t'aider. كان ذلك لا شيء على الإطلاق سعيد لمساعدتك. Ce n'était rien du tout. Heureux de t'aider. J'ai échoué aux examens. J'ai échoué aux examens. En arabe, لقد فشلت في الامتحانات. J'ai échoué aux examens. Ici, on a le verbe échouer, un verbe de premier groupe, yani fi'l yefshalo, conjugué au passé composé, musarraf fil madi al murakkab. J'ai échoué aux examens. Tu devrais étudier plus. Tu devrais étudier plus. Le premier verbe, c'est le verbe devoir, conjugué au conditionnel présent. أول فعل هو فعل يجب مصرف في صيغة الشرط. Tu devrais étudier plus. Tu as l'air heureux aujourd'hui. Tu as l'air heureux aujourd'hui. En arabe, تبدو سعيدا اليوم. Tu as l'air heureux aujourd'hui. Je suis très heureux, j'ai réussi l'examen. Je suis très heureux, j'ai réussi
l'examen. En arabe, انا سعيد للغاية او سعيد انا سعيد جدا لقد نجحت في الامتحان. Je suis très heureux, j'ai réussi l'examen. Tu sais nager? Tu sais nager? هل تعرف السباحة? Tu sais nager? On a le verbe savoir, يعني يعرف, conjugué au présent de l'indicatif. Et le verbe nager, يعني يسبح. Tu sais nager? Je peux nager de courtes distances. Je peux nager de courtes distances. يعني يمكنني السباحة لمسافات قصيرة. Je peux nager de courtes distances. Je suis désolée, mais je ne trouve pas le carnet que tu m'as prêté. Je suis désolée, mais je ne trouve pas le carnet que tu m'as prêté. En arabe, أنا آسف لكن لا أجد دفتر الملاحظات. Le carnet, يعني الدفتر الذي ندون فيه. لا أجد دفتر الملاحظات الذي قدمته لي أو الذي أعرتني إياه. Le verbe prêter, يعني يعير. يعني عندما تعطي شيئا ما لأحد ما لوقت معين. أنا آسف لكن لا أجد دفتر الملاحظات الذي أعرتني إياه أو الذي قدمته لي. Je suis désolé mais je ne trouve pas le carnet que tu m'as prêté. On peut dire par exemple, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. يعني بالعربية ليس هناك مشكل. On peut dire par exemple aussi, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Et aussi on peut dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as bien dormi? Tu as bien dormi? أنمت جيدا أو هل نمت جيدا؟ Tu as bien dormi? Non, je ne pouvais pas m'endormir. Non, je ne pouvais pas m'endormir. يعني بالعربية لا لم أستطع النوم. Non, je ne pouvais pas m'endormir. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? يعني بالعربية ماذا نفعل بعد ظهر اليوم? Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On peut dire par exemple, allons à la plage. Allons à la plage. يعني اللي نذهب إلى الشاطئ. Allons à la plage. Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? يعني بالعربية ماذا كنت تفعل أو ماذا كنت تفعلين عندما اتصلت بك أو بك? Qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé? Par exemple, on peut dire j'étais sur le point de partir. J'étais sur le point de partir signifie en arabe كنتو على وشك المغادرة. J'étais sur le point de partir. Comment tu as passé ta journée? Comment tu as passé ta journée? كيف قضيت يومك أو كيف قضيت يومك? Comment tu as passé ta journée? Par exemple, on peut dire comme d'habitude. Comme d'habitude. Quelle aide? Comme d'habitude. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال يوم يقول كنت على وشك المغادرة عندما اتصلت بي.
كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.